suffit. Existe une nouvelle atoll, un endroit où l'on rigole, où vit la bande à Ovid, toute cette équipe de comiques, plus drôle que tous les guignols. C'est la bande à Ovid qui se bandole. Sous les papas, les noirs coco, qui c'est qui nous guide? C'est la bande à Ovid, Ovid. Sous les papas, après le boulot, la bande à Ovid à la vidéo. Vidéo! La bande à Ovid ne s'entre pas trop. Fais pas trop! La bande à Ovid à la vidéo. Au 250 mètres? C'est Zanga qui est en tête! Mais on n'arrive pas loin derrière! Le plus bas, on monte la gazelle! Vas-y, Zanga! Et Zanga, rentre sur moi, Paris! Deuxième tête, c'est la égalité! La photo finale! Comme la gazelle du sud et le guépard de l'ouest allaient bien trop vite pour être photographiés, le comité organisateur de ces 50e Jeux des Tropiques décidait donc de remettre à chacun des coureurs une médaille d'or! Oh, il me semble que j'aurais pu être une grande athlète, les champions du monde du saut au balai. Et moi, un as de la lutte. Hé, hey, les amis! Si on organisait les premiers Jeux des Tropiques de l'atoll? Quoi? Ben pourquoi pas? Même que j'ai tout ce qu'il faut pour récompenser les gagnants de chaque épreuve. Je couperai une tranche de l'œuf d'or pour chaque médaille gagnée loyalement. Yahoo! Au travail! Il y a plein de choses à faire avant que nos Jeux des Tropiques commencent. C'est donc là qu'il cache son œuf d'or, hein? Attention, Pee! Tchou! Bizarre? On aurait dit un éternuement. Imbécile! Juste au moment où j'allais lui voler son œuf d'or! Mais c'est pas de ma faute, Pee! Je l'avais foin! Tais-toi! Maintenant, il s'agit de trouver la meilleure façon de récupérer les médailles d'or que cette bande d'imbéciles va se partager. Sais-tu que tu as une morphologie d'athlète, Zozo? C'est quoi ça, une morphologie? C'est pas une maladie, au moins. Tu vas vite comprendre. La tête droite, on n'est pas là pour s'amuser. Direction la plage, au pas de course. On va essayer le saut en longueur maintenant. Oh non, pas ça. Il faut que tu arrives à sauter jusqu'à moi avec un peu d'élan, bien sûr. Alors là, tu m'étonnes. Ah, je comprends. Vous dormez. Je veux que vous dormiez. Vous ferez tout ce que je vous demanderai pour ensuite tout oublier à votre réveil. Vous allez soulever devant nos téléspectateurs ce poids de 150 kilos. 1, 2 et... Ah, bravo! Attention, je vais vous réveiller maintenant en vous arrachant un cheveu. Oh, qu'est-il arrivé? J'ai simplement fait la preuve de mon pouvoir hypnotique grâce à vous, chère madame. Vous avez soulevé cet haltère de 150 kilos devant les téléspectateurs. Moi? Toute seule? Il suffit de maîtriser l'hypnose, ce que chacun peut faire avec un peu d'entraînement. Mais vous progresserez plus vite en vous procurant mon ouvrage, L'hypnose, un jeu d'enfant, aux éditions du Sommeil. Ouvert. Vive les Jeux de l'Atoll! J'espère qu'il n'est pas trop tard pour inscrire mon pion. Non. Mais je dois vous rappeler une chose par contre. Pendant la période des Jeux, c'est la trêve. Pas un seul mauvais coup. Oh, allons! Tu me connais mal, Ovid. Oh, s'il y a bien une chose sacrée pour moi, c'est l'esprit sportif. À propos, as-tu songé à récompenser les gagnants? Ah oui, j'offre une tranche de mon œuf d'or aux gagnants de chaque discipline.
Très bien, parfait même. As-tu entendu, Zozo? Ouais, puis j'ai compris par quoi on commence. Par l'épreuve du saut en hauteur. Ah, génial! Tu as compris, Zozo? Oui, le saut en hauteur. Tu es le meilleur sauteur de l'île. Tu vas le prouver tout de suite. Le meilleur sauteur de l'île, ouais. Magnifique, Polo! Vous allez moins rire dans une seconde. Hein? Plus que trois concurrents à la barre du dos. Bravo, Polo! Dernier essai. Je n'en reviens pas. Chapeau, Zozo. Et une médaille d'or pour commencer. Félicitations, Zozo. Tu as vraiment été le meilleur. J'ai été le meilleur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notre deuxième épreuve, c'est l'épreuve de lutte. Imbattable à la lutte, Zozo, pas vrai? Oui. Imbattable. Arriba, arriba! Oh! Le tenacier, le gros Zozo! Félicitations, Zozo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu es le meilleur nageur, Zozo. Le meilleur. Félicitations. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. C'est fini pour aujourd'hui. Bien joué, Zozo. Passe à cette médaille, s'il te plaît. J'ai sommeil, puis si on allait se coucher. Oui, mon Zozo, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait ici, puis? Rien, rien, Zozo. Une promenade. Viens dormir. Zozo est bien trop fort, c'est pas normal. Peut-être qu'il est dopé. Il faudra réussir à le prouver. Regardez-moi ça. Vous progresserez plus vite en vous procurant mon ouvrage, l'hypnose. Et voilà pourquoi Zozo est imbattable. Oh, le tricheur! J'aimerais en savoir plus. Ah! Allez, Zozo! T'es le meilleur! C'est Zozo qui a gagné! C'est Zozo! En cas de doute, il doit y avoir... égalité. Félicitations, Ovid. J'aurai ma revanche dans le cross-country. Ouais, Vovo. Il a peut-être craqué. Hein? Tu es le meilleur coureur de cross-country, Zozo. Tu vas gagner cette course sans aucun effort. Oui, patron. Allez, file. Mon pauvre Zozo, Pie s'est encore servi de toi. Quoi? Ovid? Qu'est-ce qu'on fait ici? Va voir Pie et demande-lui. Ovid, attends! Ovid? Eh oui, c'est moi. Ton ami Zozo s'est réveillé en cours de route. Quoi? Pie? Explique-moi, mais d'où est-ce qu'elles viennent ces médailles d'or, Pie?
Mais ce sont les médailles que tu as gagnées, Zozo, en remportant presque toutes les épreuves de nos Jeux des Tropiques. Moi ? Mais oui, toi, Zozo, hein, je les ai gardées en sûreté. Moi, mes médailles ! Mes médailles ! Jamais ! Oh non ! Personne les aura, mes médailles. Personne ! Rends-moi mes médailles, espèce de voleur ! C'est pas grave. L'essentiel est que justice soit faite. Avez-vous aimé nos premiers jeux des tropiques, les amis ? Superbe ! S'il vous plaît, racontez-moi comment j'ai pu gagner autant de médailles.